Parfois, je perds le fil du journal filmé et je m'interroge sur l'intérêt de continuer. En lisant le livre Alain Cavalier, cinéaste et filmeur, j'ai trouvé ce texte de François Truffaut paru dans la revue Art le 15 mai 1957. Le film de demain m'apparaît plus personnel encore qu'un roman, écrivait-il. Individuel et autobiographique, comme une confession ou un journal intime. Les jeunes cinéastes s'exprimeront à la première personne et raconteront ce qui leur est arrivé. Cela pourra être l'histoire de leur premier amour ou plus récent. Leur prise de conscience devant la politique, un récit de voyage, une maladie, leur service militaire, leur mariage, leurs dernières vacances, et cela plaira presque forcément, parce que ce sera vrai et neuf. Le film de demain ne sera pas réalisé par des fonctionnaires de la caméra, mais par des artistes pour qui le tournage d'un film constitue une aventure formidable et exaltante. Le film de demain ressemblera à celui qu'il a tourné. Et le nombre de spectateurs sera proportionnel au nombre d'amis que possède le cinéaste. Le film de demain sera un acte d'amour.